where are we going? To Courseulles-sur-Mer. Salut à tous, aujourd'hui on est à Courseulles-sur-Mer. En fait, on a décidé de venir ici pour prendre quelques jours de repos. On a des amis qui viennent souvent ici, ils nous disent que c'est très calme, que c'est très joli à voir. C'est une des villes où le débarquement de 44 a eu lieu, donc il y a beaucoup de choses à voir sur ce thème ici. Aujourd'hui, j'ai pu assister à une visite guidée justement qui expliquait la naissance du port de Courseulles. En fait, il y a de très nombreuses années, les huîtres, c'était vraiment la spécialité de Courseulles-sur-Mer. Il y avait beaucoup de bassins d'élevage, plus de, je crois, 200, 300, enfin même plus. Et en fait, ils allaient très loin dans la ville. Par exemple, là où il y a l'office de tourisme, donc en pleine ville, bah avant c'était des bassins d'élevage d'huîtres. Et maintenant il reste un seul bassin qui est un peu plus vers là-bas, vers le fond, derrière la grande roue. Et c'est tenu par une famille qui a réussi à garder ce bassin-là. Mais il faut savoir que les huîtres qui sont élevées ici, en fait, viennent du Japon. Ce n'est pas des huîtres locales parce que c'est très dur et très long d'élever des huîtres ici. Pour avoir une huître ici plate, qu'on appelle une huître locale plate, il faut 25 ans, alors que celle-ci, c'est celle qui est du Japon, on peut les avoir à maturité au bout de 3 ans à peu près. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la ville, il reste quand même quelques bâtiments, il reste quelques vieilles maisons de l'époque, mais c'est vrai que tout ce qu'on voit aujourd'hui à Courseulles-sur-Mer, en fait, ça a moins de 100 ans parce que ça a été construit au XXe siècle, encore une fois, avec une démarche quand même de maintenir l'activité autour du port. Et en fait, sur le bord de côte, il y a plein de villes comme ça qui s'enchaînent. Elles sont toutes reliées les unes aux autres, elles ont toutes des histoires différentes. Ce qui est très intéressant ici, c'est le musée consacré à la Seconde Guerre mondiale, au fameux D-Day, consacré au jour où les différentes armées canadiennes et américaines sont venues jusqu'ici pour libérer la France de l'Allemagne.